à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Plan With Me, mais avant aussi quelques petits achats que j'ai fait et j'avais envie de vous en parler. Si vous voyez ce petit bindi qui est un petit accessoire indien, c'est normal, c'est parce que j'ai fait ma photo de classe avec mes collègues aujourd'hui et du coup on sautait sur le thème Bollywood. Je vous ai mis une photo sur Instagram d'ailleurs si vous voulez voir ma tenue. Voilà, donc je commence par mes petits achats que j'ai fait sur le site Dans Mes Pochettes, que j'adore, hein. À chaque fois je vous en parle 10 000 fois. D'ailleurs avec mon mail de parrainage et mon mail tout court que je vous remets ici en barre d'infos, vous avez 5 € de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, c'est toujours 5 € de gagné. Et eh bien j'ai commandé des stickers pour mon planner et des petites choses voilà, que j'avais envie de prendre. Et j'ai fait une deuxième petite commande sur le site La Fourmi Créative, mais je pense que c'est une des dernières fois que je commande puisqu'ils n'ont plus ce système de parrainage qui était si bien avant et du coup ça me donne moins envie de commander parce que je trouve ça moins sympa quand il n'y a pas les parrainages ou quand on n'a pas, on peut pas partager, voilà, je trouve ça moins sympa, donc je préfère rester fidèle hein, dans mes pochettes. Donc Perrine, si tu passes par là, je te reste fidèle. En tout cas, dans mes pochettes, j'ai pris un petit carnet comme ça de stickers, vous savez, de la marque Mombi, Me and My Big Ideas, qui est vraiment une des marques que je préfère. Je vous montrerai bien sûr juste après les rendus des stickers, mais je crois que c'est ma marque chouchou au niveau stickers. Il y a trop des beaux stickers à l'intérieur. Donc voilà, vous avez différentes planches. Là, il y a combien, 459 stickers. Il y en a même certains où il y en a 1000 parce qu'il y a des petits stickers. Attendez, je vous montre. Il y a des grandes comme ça encore une fois. Vous en avez des noirs et blanches. Et il y a même du gold. Voilà, il y a du noir et du gold. Voilà, ils sont trop jolis, donc j'étais obligée de craquer, je les trouvais trop magnifiques pour dans le planeur, donc voilà. Et c'était là, celui-ci c'est le histoire de couleur, parce qu'en fait à chaque fois ils ont des thèmes différents, et en tout j'en ai 3, donc si ça vous dit d'avoir une vidéo sur ces stickers-là, n'hésitez pas à me le dire pour les voir en plus en détail. Ensuite, donc toujours je vous avais montré sur Snap comment c'était emballé, c'est toujours hyper bien emballé les colis de Perrine dans mes pochettes, avec toujours un petit cadeau et un petit mot personnalisé. Donc je trouve ça très très bien, un petit mot voilà personnalisé et un petit cadeau. Donc ce sont des, comment ça s'appelle, des petites cartes de Project Life qui sont qui vous sont offertes de la marque Poussine et Poti. Donc voilà, elles sont trop mignonnes, c'est des jolies petites cartes, voilà. C'est toujours super sympa d'avoir ces petites cartes là. Je crois que c'est sa marque à elle, oui, c'est la marque de Perrine, donc ça me fait découvrir et c'est super. Ensuite j'ai craqué, alors sur lequel j'ai acheté déjà, je sais même plus ce que j'ai acheté chez qui. Ah oui, si, j'ai pris ces deux trucs là chez dans le site, dans mes pochettes, c'est deux produits de la marque My Prima Planner, puisque maintenant Perrine a mis de plus en plus de produits pour planeurs et du coup là c'est une marque voilà, spécialisée dans les planeurs. Ce sont encore une fois des stickers qui sont ma foi très très beaux, voilà. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure, les espèces de grands carnets ça coûte cher hein, ça coûte 21 € et ceux-là ça coûte 5,80 €, mais ils sont trop mignons. Vous avez quand même pas mal de foil et de planches hein. Regardez, il y a quand même pas mal de planches, il y en a 191 stickers à l'intérieur. Et la deuxième c'est que des stickers un peu carrés comme ça, il y en a 157 pièces, c'est la gamme Beauty. Et l'autre c'est un nom aussi, Good Vibes, donc là c'est Beauty. Donc pareil, rose, noir, gold, voilà, des couleurs que j'aime beaucoup. Il y a 3 planches à l'intérieur comme celle-ci. Ensuite, sur le site Dans Mes Pochettes, j'ai utilisé mes derniers crédits pour ce petit site. J'ai acheté 2 grandes planches comme ça de papier de chez Disney. C'est les deux mêmes. C'est les papiers de la marque EcoPark, Paper & Co. Once Upon a Time. C'est une gamme spécifique qu'ils ont fait un peu sur le thème de Disney. Elle est magnifique, cette planche. Et j'ai acheté de la même marque, du coup, cette fois-ci, c'est les stickers. Donc, sous forme de planches aussi, avec des châteaux, des choses comme ça. Je voulais aussi les die cuts qui étaient magnifiques. Sur cette, de cette marque là aussi, de cette gamme là, mais ils étaient en rupture de stock, donc tant pis. Ensuite pour mon planeur, j'ai pris, d'ailleurs il faut que je vous le montre un jour ce planeur, j'ai pris de la marque Prima aussi, comment ça s'appelle, un shaker marque-page, hein, je sais pas trop comment ça dit, un shaker, et voilà, il est sublimissime, voilà, il bouge comme ça, et il y a écrit dessus « It's a beautiful day ».
Donc c'est pour les petits planeurs normal, je sais pas trop la taille, mais voilà, j'en suis ravie. Ensuite j'ai pris pour mon planeur spécial stickers, puisque si vous avez vu mon swap planeur, j'ai reçu ça de la part de Audrey de la chaîne YouTube Chéris et Planeur. Et du coup elle m'a offert ça, donc là je l'ai bien rempli, vous voyez, il y a tous mes stickers à l'intérieur. Et avec ça, bah, je me suis dit que j'allais acheter les fameux stickers aussi de chez Mambi, qui ont exprès ici les petits trous et tout pour les mettre dedans. Parce qu'au moment où je les ai commandés, j'avais pas la perforatrice pour faire les trous ici, pour faire les trous qui vont dans ces anneaux-là. Mais on me l'a offert entre temps. Merci à Jennifer si ça se parle là. Mais je suis sûre que oui. Donc du coup, bah, j'avais acheté ça avant même de savoir. Et c'est des planches de stickers, pareil. Moi, je suis une fan de stickers, vous l'avez vu. Hein. C'est là, il y en a 136. Et 127 de chez Mambi, Me and My Big Ilias. Et alors, est-ce qu'il y a une référence? Non, mais en tout cas, vous avez 5 planches de stickers. Et il vous montre en plus derrière comment ça se met dans votre dans le classeur, le fameux classeur. Et le fameux classeur, il est aussi de chez Mambi. Il vient aussi du site dans mes pochettes. Et voici les autres, donc avec des cafés, des petites phrases sympas, des couleurs un peu estivales. Moi, je trouve ça très sympa. Donc, j'ai hâte de les mettre dans mon petit classeur aussi. Donc, ah non, et la dernière chose, sur le site La Famille Créative, j'ai commandé ces petits lots de washi tape, de ruban de la marque Sugar Tapes, Franck Marcia, on dirait Marcia. Donc, je vous montre de plus près si vous l'aidez. Et c'est que des rose gold. Regardez comme ils sont magnifiques. Que des rose gold, mais c'est des tout petits, mais ils sont hyper beaux. Ils sont sublimes, sublimes, sublimes. Waouh, j'ai hâte de les utiliser aussi. Pour finir, j'ai reçu deux petites enveloppes, donc je vais vous les montrer, puis je vous laisserai avec la vidéo de création. Alors la première enveloppe est une enveloppe surprise de la part de Pascaline, qui a une chaîne YouTube Créa Pasca, si vous voulez aller la découvrir. Elle m'a fait une petite enveloppe comme ça, et c'était trop mignon, elle m'a dit que voilà, elle a pensé à moi en voyant ces petits tampons, qui sont des petits tampons avec des petits smileys qui cachent les yeux, etc. comme ça, les petits smileys qui sourient. Pour mon planeur, j'avoue que pour mon planeur, je sais pas si j'aurai le réflexe de les utiliser, mais dans ma classe, ça fera succès. Donc elle m'a mis une petite carte avec un petit mot trop mignon, et sa carte elle est juste sublime. Regardez-moi ça, elle a trop trop talent, mais elle est sublime la carte. Oh, avec de l'holographie comme ça, mais bravo Pascaline, tu gères trop trop trop. Et j'adore recevoir des petites enveloppes de sa part, ça me touche tellement qu'elle pense à moi, donc c'est trop mignon. Et une dernière petite enveloppe à l'intérieur où il n'y avait que des petites die-cuts, des petites découpes, avec à moitié blanche et à moitié ornée de or. Comment vous avez... Est-ce que vous avez argent, or et même rose? Donc c'est trop bien. Et pour finir, j'ai commandé aussi sur chez ma copine Marjolaine, Perlissime, si vous la connaissez pas, sur Instagram, Facebook, YouTube aussi. Du coup, elle fait des stickers elle-même, et du coup, j'avais fait des petites demandes, et j'ai payé, bien sûr, pour ça. Après, elle m'a mis des choses en plus. J'avais demandé des petits stickers comme ça, carrés, avec des petites phrases sympas pour mettre dans mon planeur. Soirée avec Mel, parce que bah, y a des soirées avec Mel, journée shopping, soirée blog, journée off, voilà, des petits mots comme ça, je trouvais ça trop mignon. Donc elle m'a fait des petites planches. Là elle m'a fait des petits stickers spécial automne avec des renards et tout. Donc ça je vais vous les montrer juste après. Des petits stickers avec des petits cœurs où on peut montrer, où on peut écrire des petites choses, vous savez, les petits stickers où on peut écrire. Je vais vous en montrer un. Comme ceci. Toujours dans les couleurs automnales, comme ça, orange. Bon, pourquoi pas, ça c'est hyper sympa. Et j'avais demandé de me faire cette planche que j'avais vue sur le site d'une américaine. Alors elle a essayé de refaire dans le même style et c'est super génial. Et j'adore, j'adore, j'adore. Et surtout ça, avec la tour Eiffel, je trouve ça trop mignon, trop, trop classe. Et pour finir, elle m'a fait un petit cadeau avec deux planches qu'elle a faites pour moi aussi. Et c'est trop mignon, une pour Oran et une voilà, que je trouve trop trop belle. Celle-ci voilà, me l'a offerte et je la trouve trop trop géniale. Regardez comme c'est sublime. C'est trop trop beau, et ça pour mon fils, pour l'album de mon fils, ou voilà, c'est trop gentil. Donc je vais utiliser certains stickers dans mon Plain With Me, donc je voulais vous les montrer avant, et je vous renvoie toujours vers Perlissime si vous êtes intéressé. Elle fait des petits prix pour des planches de stickers vraiment sympas.
Donc voilà, maintenant on passe à l'action avec mon Plan With Me du mois d'octobre, puisque c'est un mois spécial anniversaire, c'est mon anniversaire ce mois-ci. Donc j'espère que la décoration vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous voulez d'autres vidéos haul, planner et Plan With Me. Là, il y a les deux en un. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!